soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Chant évangélique, bienvenue dans 100% évangélique, chers téléspectateurs, amis frères dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous dit bon Dieu merci parce que nous avons l'opportunité pour nous capables là après-midi dans l'émission Parola 100% évangélique, émission qui remet la plupart d'entre vous, remet en pile et puis qui est vraiment et by tout yo même pour suivre l'émission ça et pour capable apprendre et détailler la parole ensemble avec nous. Et c'est un plaisir lié pour nous, un plaisir pour moi spécialement, parce que Dieu permet que vous capable prendre tout plaisir pour capable partager parole ça avec moi, et parce qu'on connaît que pas gain plus connaissance que vous, pas plus avancé que vous, parce que même esprit qui permet que nous comprenons, c'est lui qui permet que me comprenons, c'est lui qui permet que vous comprenne tout. Alors voilà pourquoi que nous dit bon Dieu merci parce que l'IPBET vraiment que nous capables partager parole ça, nous capables comprendre moi et nous capables comprendre nous. Et il permet aussi que nous capables relayer pour faire suggestion, pour surtout porter correction ou bien porter une approche, un support avec ça qu'il nous a partagé, avec ça qu'il nous a dit. Nous bénissons le Seigneur pour ça et nous contents parce que nous là, dans 100% évangélique, en présence du Seigneur. Pour partager parole ça avec vous, nous déjà dit bienvenue et merci à vous-même parce que vous recevez nous dans le salon La Caillou ou bien qu'elle soit à côté que vous y a, ou acceptez ouvrir la télévision ou pas fermer le sous-nom, ou acceptez tant de nous que bon Dieu capable de bénir et que Jésus-Christ de Nazareth capable de guider au nom de Jésus-Christ. Et sans que nous pas trop arrêter, sans plus tarder, nous pouvons aller invoquer le nom de Jésus-Christ pour être capable participer dans l'émission pour permettre que nous passions un moment béni dans la présence, dans la volonté, parce que c'est seulement lui-même qui est capable de permettre que nous passions un moment béni, c'est seulement lui-même qui est capable de permettre que nous comprenions la parole. Et nous avons besoin pour la parole, ça capable d'une parole qui est claire et qui est propre dans l'esprit. Nous. Pour lorsque nous arrivons à bien comprendre la parole, ça pour nous sentir vraiment, la parole Jésus-Christ est dit dans Jean 6, 63, que la chair ne sert de rien et c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et lorsque vous arrivez à comprendre parole ça, laissez au cap, je vous dis oui, la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que le Seigneur enseigne nous, eh bien, ce sont des paroles de vie, ce sont des paroles d'esprit, et cet esprit, c'est l'esprit du Seigneur, et cette vie, c'est la vie du Seigneur Jésus. Et nous sommes capables maintenant honorer, ramel, bal tout au même, à ces villes avec ardeur, avec amour. Parce que nous, quand souvent dit, il y a un monde vraiment qui a servi le Seigneur, mais qui pas quoi dans le livre. Il y a un monde qui juste tendait à parler de Jésus-Christ, mais qui juste vient servir pour faire, mais qui pas quoi dans le livre. En manquant ça serré, mon après a fait n'importe quoi, à tuer, à étrangler, à tendre piège, à faire mon révoquer mon pour n'importe quoi. Ça veut dire pour comprendre que mon n'a pas cru en Jésus qui vrai, c'est juste que le temps de mon a dit yo quoi il m'a dit il quoi tout, mais en réalité li pas quoi vrai non Jésus-Christ de Nazareth. Nous pral invoquer non puissant ça après-midi pour le capable prendre part avec nous dans l'émission 100% évangélique et pour le capable permettre que nous comprenne tout ça que nous pral partager selon volonté là. Et lui-même il va mettre compréhension dans cœur nous toutes. Pour nous capables de comprendre la parole, ça, au nom de Jésus-Christ. Nous allons l'évoquer ensemble. Donc, nous sommes capables vraiment de prier avec moi, afin que le Seigneur Jésus soit capable de permettre que nous comprenions la parole. Seigneur, nous bénissons, nous donnons merci. Merci pour l'amour, merci parce que la parole que nous disons, c'est son esprit et vie. Et Seigneur, nous remercions pour ça. Parce qu'on ne peut pas cacher nos mystères là. Et on peut mettre que nous connaissons. On peut mettre que nous sommes capables de découvrir le mystère ça. Et pour nous capables de marcher vers la lumière. En utilisant le chemin qui est étroit, Seigneur.
Nous disons merci. Merci pour la vie qui est au bon nom. Merci parce que même les l'homme pas vaut rien, même les nous pas vaut rien, nous c'est néant, nous c'est vapeur. Mais où vient mourir pour nous quand même. Et Seigneur, ça fait nous comprendre à quel point que on remet nous. Parce que Seigneur, comme dit Salmisla, qui ça l'homme, ça l'homme fait qui bon pour prendre soin, pour prendre qu'à l'homme comme ça. Or Seigneur, nous pas fait rien qui bien. Or nous pas marcher selon parole ouvrée. Or nous pas appliquer loi ou yo vrai. Parce que nous aller à l'encontre de loi ou yo chaque jour dans vie nous Seigneur. Soit dans pensée nous, soit dans l'esprit nous, soit dans désir nous, soit dans volonté nous, agissement nous. Mais Père, ça pas empêché que amour déborde pour nous chaque jour. Ça pas empêché que l'État mérite pour nous condamner, ouvrir porte là pour capable délivrer nous, ou longer main pour capable ban nous secours. Ça pas empêché Seigneur, lorsque nous t'arrivons pour nous exterminer, pour nous exterminer, nous pas péché nous, yo, iniquité nous, yo, qui a monté pile sous pile. Mais on dit nous, ou gen compassion pour nous, et avec amour que ou gen qui pas jamais fané pour nous, ou fait nous grâce, et ou dit nous changer, ou dit nous repentir. Seigneur, quel amour, yon l'homme pas gagné pour nous, mais c'est seulement vous-même, parce que vous, c'est Dieu, éternellement, et Dieu. En vérité, Seigneur, nous merci après-midi. Nous avons d'autant plus béni téléspectateurs. Béni frère, nous sommes seuls. Nous sommes capables de comprendre la parole. Nous avons d'autant plus ouvrir le cœur. Nous sommes capables d'analyser la parole avec nous. Pour nous capables de jouer la vérité pour nous marcher, pour nous sauver. Seigneur, béni moment, béni chaque frère, nous sommes seuls. Nous sommes capables de marcher dans la parole de vérité. Encouragez, Seigneur, pour nous capables de fortifier et pour nous capables de vivre pour les gens qui ont demandé. Et n'a pas nous, Seigneur, va aider nous vivre pour vous, selon volonté, pour nous pas écarter loi ou une seconde, mais pour nous attacher loi vous-même, éternellement. Béni technicien, nous, béni chaque technicien et animateur Castivi, afin que nous va vivre, Seigneur, pour vous-même, et que chacun de nous va attacher avec vous-même, puis vivre pour vous, au nom de Jésus-Christ. Béni moment, et nous avons un Père, n'a pas nous qu'aimer nous fort, enseignez-nous pour nous capables de connaître comment pour nous faire volonté, comment pour nous servir, qui chemin pour nous prendre. Parce que nous connaissons nous-mêmes qui vrai chemin. Et du moment que nous connaissons, nous connaissons le chemin. Et Seigneur, aide-nous pour nous connaître. Aide-nous pour nous connaître. Aide-nous pour nous connaître. Pour nous capables vraiment de prendre le chemin qui va la vie. Merci Seigneur. Merci pour le moment. Et maintenant, on va utiliser le Seigneur péché que moi. Comme un canal, Seigneur. Oh, indigne que je sois. Mais Seigneur, me compter sous grâce. Pour capable utiliser le Seigneur. Même l'aime pas rien. Mais parole ou Seigneur. Va conséquent pour chaque monde captant d'elle. Et pour moi-même personnellement. Merci Seigneur et béni moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à lui seul soit la gloire dans tous les siècles. Amen et amen. Amen. Et nous dit Seigneur merci parce que lui fait nous grâce pour nous capables là, pour nous présenter au 100% évangélique jeudi dimanche là. Et nous bénissons pour ça et nous comptons pour nous là avec vous. Et nous réjouissons surtout parce que nous recevons la caillou, dans le salon la caillou. Dans la chambre, au côté que vous soit sous le balcon. Et nous disons merci parce qu'on peut mettre que nous capables de placer ça. Et si vous pouvez mettre que nous capables de placer ça, c'est parce qu'on remet la parole, c'est parce qu'on remet Christ. Et si vous acceptez nous pour tendre nous, ou pas faire mes télévisions sous nous-mêmes, et ou pas faire mes télévisions pour courir ou bien pour faire coller, ou capabilité pour tendre, bien que peut-être ce ne soit pas le cas pour le moment, mais plus tard ce sera le cas. Lorsque vous attendez, on va gagner ou pas attendre, attendez, j'entendais là. Mais n'a pas de chuteau. Bon reprendre, sagesse, écoute. Comme dit proverbe, et celui qui répond avant d'avoir écouté commet un acte de folie. Alors, lit bon pour capable tendre avec en pile, bon comprendre, avec la Bible en main surtout, et puis ensuite, pour capable. Parler avec nous, dis-nous ce que vous pensez, peu importe ses critiques, peu importe ses supports, peu importe ses lumières, nous pas de problème, nous attendons. Nous attendons que vous capable de relayer et dès que vous comprenez, nous avons une question à poser sur le sujet que nous allons traiter là, après-midi, qui c'est le sabbat. Alors nous, à parler sur le sabbat après-midi, nous sommes capables de comprendre en long et en large. Selon que le Seigneur lui-même permette que nous capables partager ça ensemble
et nous pourrons discuter de ça afin que le Seigneur soit capable de permettre que nous gagnions la lumière de la parole et pour nous connaître comment nous devons appliquer et marcher selon la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous saluons chaque monde, chaque monde, chaque monde. Et nous ne pouvons pas le maintenant parce que si nous parlons maintenant, nous avons trop de et si tu es dans le monde comme ça, c'est un peu difficile parce que nous avons besoin de 100% évangélique. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, allô? Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, sœur, moi. Et je veux savoir, je quel numéro je dois prendre Cassim sur Internet. Pardon? Je veux savoir sur quel numéro pour prendre Cassim sur Internet. Alors, apparemment, ma sœur, le site a un problème pour le moment. Ah, bon, le mais site ça est fait dysfonctionnel. Longtemps. Oui, ça fait un bon moment. Hein. Je pensais qu'on devait déjà arranger tout ça, mais peut-être qu'il y a un petit problème qui fait qu'on n'est pas encore arrivé à tout fixer. Ok, ça va, Frère Patrick? Oui, avec Jésus, ça va. Très bien. Et papa? Bon, pour papa, moi, je ne peux pas dire ça va pour lui. Mais avec Jésus, je peux dire ça va parce que le Seigneur est comme ou les gros roches qu'on est qui est possible pour l'homme. Oui. D'accord. Et bien, bonne fin de journée. Et même aussi, que mon Dieu bénisse. Ça aussi. Bye bye. Et d'ab tout profiter dit mon vraiment site Cassivia pas fonctionné pour le moment et nous connaît que technicien a fait un pile effort pour capable mettre le fonctionnel mais n'a prié pour que mon Dieu capable permettre que possibilité qui manquait à pour capable vraiment disponible pour eux afin que capable vraiment mettre le fonctionnel. C'est vrai qu'un pile monde cap demandé pour site là et aux États-Unis, en France, en Allemagne par l'autre côté yo, mais n'a prié bon Dieu à ce que mon Dieu permette que tout bagage fait selon volonté. Et nous saluons Madame Olga qui a gardé nous à quartier d'Orléans. Et que bon Dieu bénisse Madame Olga. Nous saluons chaque monde, famille frère Eugène, sœur Eugène, Nathan, Nathalie, Natalina. Nous saluons tous frères Noyo, frère Richard, frère Yonel. Nous saluons frère Delio et d'autres encore. Nous saluons frère Jean, notre frère bien-aimé. Et frère Dené, frère Jorel, sœur Luciana et toute équipe là, sœur Gentil. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde nous. Et Kembela, Kembefem, pas relâché. Et nous saluons mon quartier d'Orléans, Madame Denise, Monsieur Castor, nous pas attendez ça fait longtemps. Et nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous saluons aussi et Monsieur Marcena qui est dans le studio. Nous souhaitons que bon Dieu bénisse abondamment. Et à toute famille, nous saluons Monsieur Daniel Gassan, pour le côté qui est lié. Nous saluons Sérette Jodel, nous saluons tout Monsieur Jantou. Et tout le monde qui a pris dans le casse civil, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous souhaitons que bon Dieu a préservé et protégé eux. Au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde qui a regardé, nous saluons, même là, nous ne pouvons pas citer tout le monde, et là, difficile pour nous capables de citer tout le monde. Mais nous souhaitons que mon Dieu bénisse, ou même qui remet l'émission, hein, ou même qui est vraiment toujours prêt à partager parole, ça, eh bien, nous souhaitons que on va prendre Bible avec nous maintenant. Et comme toujours, formule, hein, on prend une Bible, on prend un canet, on prend un stylo, et puis on prend un feutre pour souligner. Hein, textio, parce que c'est important après pour capable réviser yo, et pour voir est-ce que ça nous t'a dit c'était exact et du moins que voyez c'est pas vrai j'étais yo des pour yo pas bon yo pas vérité pas kembe yo parce que pas ka kembe mensonge mensonge pas ka rend nous sauver. Voilà, nous pour entrer dans le sujet nous et pour nous capable partager parler un peu sur le sabbat. Alors ça que nous besoin surtout faire, et son sujet qui est très long et très large aussi pour nous détailler, décortiquer. Mais on a passé surtout les essentiels, les points essentiels pour capable tout comprendre. En cas où il y a une ta question ou voulez faire quoi que ou doit observer le sabbat par ignorance pour capable en mesure pour faire le que le sabbat n'existe plus. Je parle du sabbat physique. Hein, m'a parlé de sabbat physique, peuple Israël te gagne. Autant que l'Église est encore sur cette terre, le sabbat n'existe pas. Pourquoi me dit autant que l'Église existait? Moi, dis ça, c'est par rapport avec Esaïe 66. Souvent, il y a un bon Esaïe 66, comme le Seigneur peut mettre qu'il commence avec Texa en premier, pas de problème, on apprend en premier. Et c'est très bien lorsque le Seigneur peut se lire Cap Guido dans tout ce qu'il a fait, pour capable de mettre
peuple à comprendre bien parole qui écrit dans le livre là. Alors dans Ésaïe 66, il y a un texte peut-être qui est au souvent bord pour montrer que on doit observer le sabbat. En parlant de l'église, pas oublier nous dans le règne de l'église. Parce que lorsque apôtre dans acte 1er posait Jésus-Christ question, Seigneur, quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alors, les disciples répondirent, Jésus-Christ répondit, excusez-moi, ce n'est pas à vous de connaître ce que le Père a décidé de sa propre volonté. Cela veut dire que Jésus-Christ dit, oh, monsieur, maintenant, c'est une question de l'Église maintenant. Pour le royaume d'Israël, ce n'est pas à vous, mais c'est au Père. Pourquoi? Parce que l'Église doit être enlevée pour que le royaume d'Israël puisse rétablir. Et le rétablissement du royaume d'Israël, ce n'est pas autant que l'Église est sur cette terre. C'est après l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Alors, c'est surtout ça qui va nous permettre de comprendre le chapitre 66, le verset, Ésaïe 66, verset 17, à partir de verset 17, Ésaïe 66, mais ça le dit, il dit, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Il continue, il dit, le verset dit, je connais les œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Alors, prophétie, là, je suis tout clair là. Le temps est venu de rassembler toutes les nations. Elles viendront où? C'est où ce peuple iront? Où? Alors, qui bon peuple a pralé? Yo pralé, yo praloué gloal. Qui bon? Alors, pour comprendre, il faut se poser cette question. Alors, si peuple a pralé, Dieu dit que t'es arrivé pour me rassembler toute nation yo. Yo a vini et yo a praloué gloal. Mais qui bon yo pralé pour yo praloué gloal? Qui bon? Examinez surtout et puis après qui bon yo pralé. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leurs rescapés vers les nations, à Tarsis, à Poul et à Lud, qui tirent de Lac, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations. Le verset 20. Verset que nous besoinons. En offrant à l'Éternel sur des millettes et des dromadaires à ma montagne 7. Alors, ici là, il y a surtout maintenant texte à mentionner le lieu où peuple sa yo pour le rassembler pour yoé gloire, Seigneur là. À ma montagne 7. Alors, on connaît que nous déjà connaissons la montagne 7 qui est lié. Qui est-ce qui monte sa montagne 7 là? On connaît déjà, c'est Jérusalem. Ok. Oh, texte a déjà dit l'ensuite. À ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants disaient apporte leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel, et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des lévites, dit l'Éternel, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, verset 23, à chaque sabbat, enfin, mais peut dire la haute voix, surtout pour moun qui a contredit la parole, yo pas comprendre, et ça qu'elle me dit, à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel.
Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur vers ne mourra point et leur fait ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Alors, le verset 23, Ésaïe 66. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, ça qu'a fait, c'est que toute chair viendra se prosterner devant le roi, selon Ésaïe 14. Ou à Jérusalem. Et maintenant, nous obligés de demander, sur tout le monde qui prend texte, Ésaïe 66, le verset 23, souvent baili pour montrer que l'Église doit observer le sabbat, nous souvent questionner pour demander, yo, on appelle ça. Ça pour ça évangélique, bon Dieu bénis abondamment. Oui, bonsoir monsieur. Bon Dieu bénis frère moi. Bon Dieu bénis. Bon Dieu bénis. Bon, moi t'as souhaité pour t'as bien précisé ça qu'a pas dit à bien. L'autre dit qu'on s'accuse que et la loi n'existe plus. Mon frère, beaucoup même comment ces missions que tu as accusé me dit la loi n'existait plus. Non, écoutez bien, nous jeunes de gain des lois. C'est pas petit qui a parlé ensemble avec vous. Mm-hmm. Et Alphonse, tu as la loi cérémoniale, tu as la loi morale. Bon, qui est-ce qui a parlé avec nous? Et la loi morale, la loi cérémoniale est retranchée dans la Bible, n'est-ce pas? Mais c'est la loi morale toujours existe. Exact. Mais écoutez bien. Et là, si nous regardons selon Matthieu. Matthieu 5, verset 16 à 17. Il dit, c'était Jésus qui était capable de parler là. Il dit que ça, que moi pas venu soit pour me capable d'abolir la loi, moi venu pour me capable d'accomplir. Tout en temps, terre là, et puis terre là, et puis celle là-bas là, moi pas disparu tout seul de la loi, parce que tout bagage est arrivé. Et nous jeunes que, et lorsque nous étudions la Bible, que bon Dieu t'a dit qu'on s'acquiert pour nous capables de travailler. 6 jours. 7e jour à ton jour pour nous mettre à part. Juste à ton jour de bénir. Nous jouons que le premier jour de la semaine, c'est pas lundi lié, mais c'était samedi qui. C'est dimanche qui est le premier jour de la semaine. Mais juste à, bon Dieu t'a dit sur ton jour que c'est un jour béni. C'est toujours pour nous être capables de mettre à pas voler. Et selon Exode chapitre 20, il y a tout détail ça, il y a dans le lit, il y a tout détail ça. Et bien préciser, et vraiment, ce que tu as parlé là, parce que nous avons la théorie modèle retranchée, mais la loi morale toujours existe. Il ne faut pas tuer, pas voler, pas faire faux témoignage. Non, bon, bagaille, frère. Bon, bagaille. Ou dit la loi pas existe encore, pas vrai? Pas que personne moun ka rele là pour dire que me dit la loi pas existe encore pendant que commence ce sujet là. Personne pas ka prouver parce que beaucoup yo me dit la loi pas existe. Si me dit la loi pas existe c'est que et écartez un peu de récepteur là. Si me dit la loi pas existe frère pam, c'est que pas gain péché, pas gain condamnation, en un mot tout monde sauvé. Oui, m'dou simda dou la loi pas existe encore, c'est que pas gain péché. Ah. Et si nous ka reconnaître que nous péché, c'est que la loi est gon loi qui existait. On a j'en dit à se comprendre qui loi qui existe, comment loi ça relé. La loi qui existe actuellement, qui loi ça relé. Comment loi ça relé, qu'on a là, c'est ça nous besoin qu'on a. Parce que la loi existe. La loi Moïse, ça finit complètement. La loi morale n'est pas la loi morale. La loi morale, parce qu'il ne doit pas tuer, pas voler, pas faire votre mariage sur personne, remet maman, remet papa, remet pour la même chose, remet tes pauvres. D'accord. D'accord. Alors, surtout, mettre ça dans ta tête. C'est surtout besoin bien tandem. Et si si télévision en fait un peu fait petit grain, arrangez-le un petit peu plus bien. Plus clair pour tandem. Mettez un oublié pour tandem chaque mot cap sorti. D'accord? Parce que depuis tant de bien ou pas prêt le pour dire des choses que je n'ai pas dit. Parce que je comprends pourquoi relé, oui. Ou relé pour dire que me dit la loi pas existé, la loi existe. C'est ça, vous voulez faire me comprendre. Même pourquoi j'aime d'où faire que la loi pas existe. Sabbat, je veux dire, le sabbat n'existe plus. Exactement, le sabbat n'existe plus.
Exact. Le sabbat. Sabbat pas existé. Est-ce que le sabbat? Comment? Est-ce que le sabbat? Ça veut dire le sabbat? Ça sabbat veut dire? Tu comprends le sabbat? Qu'est-ce que ça veut dire? Sabbat veut dire repos. Bon, merci. Hmm? Merci. Le Pardon? Sabbat, c'est le jour de repos. Oui, c'est repos. Ça veut dire repos. Par contre, et bon Dieu dit, mais ça va 6 jours. C'est un jour toujours pour nous mettre à part. Qui est-ce qui de mettre là-bas? Ou même qui vous mettez là-bas? Nous. Qui est-ce qui de mettre là-bas? Nous. Qui fait la volonté? Ou même? Reste de la terre. Oh, il y a bon sabbat. Oh, pardon? Ou bien sabbat pour observer ou même? Selon la Bible. Nous, non, pas si selon l'Exode. Pas dit, monsieur. Mais non, pas dit selon l'Exode chapitre 20. Pas dit selon l'Exode chapitre 20 ou bien sabbat. Observez, mon frère. Sinon, pas gagner la vie ou pas qu'à sauver. La Bible? Nous sinon pas gagner la vie ou pas qu'à sauver sous gagner ça observer. La loi cérémonielle, oui, c'est vite qui retranche. Ah mais exactement soit pour observer ça bah c'est que toujours dans la loi cérémonielle. Et pourquoi que c'est pas de vous rester une dans du commandement ou violer la loi comme si vous étiez lavement c'est à là. Oh, alors quand on parle de la loi cérémonielle et les 10 commandements. Alors là, dans les 10 commandements, pas de loi cérémonielle là-dedans. Parce que si on comprend les 10 commandements, il, on m'a dit les lois qui englobent les 10 commandements, toute loi de Dieu. Bah, ou bien, loi parle des bases constitutionnelles du peuple Israël. Mais Jésus dit qu'il n'est pas venu pour y abolir, il n'est pas venu pour retirer, il est venu pour y accomplir. Oh, ou bien dit qu'il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour y accomplir. Ah, mais l'accompli ça bas. Pardon. L'accompli ça bas alors. Quoi, tout en place, terre, et puis ciel là-bas, là, tout, il ne dit pas une état. Selon la Bible. Mais, hé, bon, non, bagaille, est-ce que vous bien comprendre ça m'a dit, ya? Est-ce que vous bien comprendre ça me voulait expliquer? Est-ce que déjà comprendre moi avant de relayer? Bon. Parce que je ne sais pas bien comprendre, je ne sais pas quoi, son observateur du 7e jour. Bon, moi, c'est une ma côté. Toujours comme ça. Mais, je ne comprends que mon sema n'est pas un bon. Mais ça vient là, yo là. Ça vient là, yo là. Yo sans place. Parce que comme si nous n'avons pas un côté le courant vrai, libre site, li l'autre bord, li à gauche, ne pas pas servir, ni gens à côté, ça tout le temps, tout le monde a couru, on garde au bas ici, on garde l'autre bord. Et puis après, on n'a jamais entendu parler de monde ça encore, jamais sur la planète là. Mais nous avons besoin de baser sur l'évangile qui va la vie et pour nous apprendre à être en place, pour n'importe vent papoter nous aller. Et c'est surtout ça que nous avons besoin pour, surtout chita, étendre avec compréhension. Et puis après, l'oreille pour capable pour dire surtout ça que vous entendez, moun kap di ya, ça que moun kap prêché a dit, surtout pour pas dire ça, le pas dit. C'est vite, tu regardes écoutez bien, mais pourquoi, tu, selon et CGA, ou écoute au vini, bien comprendre moi-même, bien rentrer dans moi-même, là dit évangélique 100%. Ce que ça veut dire ça, évangélique 100%, ça veut dire l'autre et serviteur qui rapproche à eux, ça veut dire qu'ils ne pas juste de ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas faire une force d'autre nous qui rapproche et selon une façon qui rapproche. 100% évangélique. Oui, on sait vraiment, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, on besoin. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire l'évangélique qui n'a pas de l'eau, ça veut dire. Ça... Hein, c'est la table de l'évangile, soit qui n'est pas mélangé, et pas le... Eh bien, vous êtes pas. Vous avez pas l'évangile qui n'est pas mélangé, ni l'autre qui va gagner de l'eau là-dedans. Nous discutons avec, nous disons que 100% évangélique, ça veut dire que c'est l'autre qui n'est pas mélangé avec l'eau. Exact. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Je vais le répondre ça, il va l'attendre. Bon, il n'a pas le temps. Des fois, monsieur, pas le temps de mesdames, même les guérisons. Hein? Des fois, monsieur, pas le temps de mesdames, même les mesdames. Maintenant, je lui pose une question à moi, je me réponds, ni me dis le contact. Je vais répondre. Si j'ai là, ça veut dire que nous, l'évangile 100%, 100% évangélique, ça veut dire que nous, l'autre qui va venir de là-dedans. Bon, comme pas répondre à la question, c'est mieux qu'on réponde à la question parce que le monde qui te bat émission non 100% évangélique, là, c'est pas moi-même qui te. Ok, émission était 100% évangélique, ouais. À l'honneur des gens qui étaient bah, non, hein, ouais. Et qui étaient instaurés, c'est-à-dire initiés, pour émission ça. Oui, 100%. Je ne vais pas être dans le sujet, lui-même la tête, mais il m'a dit qu'il pose des questions pour qu'il s'en aille dans le sujet ça. Alors, c'est pour ça que j'ai émission les 100% évangélique. OK, ça pour montrer que c'est le fondement des apôtres qui a prêché, d'accord? Ouais. Alors pas rien qui a rapport avec la loi Moïse et la loi du péché de la mort.
Mais tout ça, Jésus qui vient ban nou yo pour nous gagner la vie, c'est sur yo nous baser pour nous capables prêcher et pour nous faire comprendre ce qui est écrit dans la Bible. D'accord. Ok, d'accord. Je vais rentrer dans la bagaille, mais parce que nous avons la paix de répéter un seul bagaille, qui ça est, comme si son monde qui attend, comme si son monde qui attendait. Alors... Exactement, on va avoir des mini définitions, bien que c'est marou, mais quand même félicitations. Que mon Dieu bénisse. Ok, continue. Là, je suis à la télé. Ok, d'accord, pas de problème. Alors, et non, retourner. Alors, Talia Chutou nous a dit que la loi n'a pas existé du tout. Nous n'avons pas jamais dit ça et nous n'avons pas jamais dit le tout. Et comment tu as dit comme vous avez déjà fait, on parlait de ça, entre la loi morale et la loi cérémonielle. Ok? Alors, la loi cérémonielle, là, c'est surtout loi qui a rapport avec sacrifice des rituels. Et côté qu'il y a des sacrifices, sacrificateurs sont obligés de présenter des sacrifices par rapport avec la loi. Ça. Et c'est ça quoi après, le jour du sabbat, sacrificateur offrit des sacrifices. Ou après dans chapitre 66, Esaïe, c'est ça qu'elle te dit, c'est même bagala dit dans verset 21, hein? Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des lévites, dit l'Éternel. Alors, déjà le temple, faut que le temple reconstruit, et comme pour information surtout, information supplémentaire, il y a déjà en préparation pour reconstruire ton plan. Il y a déjà préparé tout le sacrificateur, toutes les vitures, préparé tout l'ustensile, tout le bagage pour bah, ça refait fait encore. Pas oublier Jésus-Christ à la porte. Et pas oublier, il faut que Jésus-Christ vienne pour ça, il reprend encore. Faut que, enfin, il faut que l'église enlevée. Alors, il y a déjà en train de faire préparation ça. Alors, lorsque vous avez une loi, ça, joue ça, bah, ça comme loi qui pourra le retourner encore. Qui pas pour l'église et qui pas jambe pour l'église, c'est lorsque l'église va enlever. Du moment que l'église enlever, le temple reconstruit, le peuple d'Israël pourra recommencer sacrifice encore, recommencer les jours du sabbat. Pourquoi? Parce que c'est pas le rétablissement du royaume d'Israël. Parce que qu'on a la question. Apôtre, tu te poses Jésus qui est la première, qui est la prétablie du royaume d'Israël là? Question ça, il va répondre après l'église fin enlevée. Le royaume d'Israël après le reconstruit, Dieu pral kembe parole li lorsqu'elle te dit David, moi promets tout que va faire un petit tout trôner sous royaume dans royaume d'Israël là éternellement. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a venu la vienne trôner. Non en Israël, pour surtout faire tout peuple Israël là reconnaître que c'est lui qui a passé. Et la montrer même correctement pour que c'est lui qui a passé. Et il y a un maclou. Et c'est ça qui fait pas grand désolation en Israël dans ce moment ça. Là, il y a reconnaître que c'est Jésus-Christ qui est Messie à vrai. C'était Messie à te venir à vrai, il a cloué. Là, il y a un maclou. Alors, tout ça, c'est après l'enlèvement de l'église. Et dans la période, ça, selon Zacharie 14, on peut voir que le monde entier, ou bien toute la toute nation, est dans l'obligation pour monter à Jérusalem pour adorer le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ici, là, ce que nous avons surtout voulu expliquer, c'est que chaque sabbat, chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner. C'est où? À Jérusalem. Toute chair, toute nation a réuni. Personne n'a pas dit c'est maintenant. Ou personne n'a pas dit prophétie, ça a accompli déjà. Hein? Parce que ça sont prophéties réservées pour l'accomplissement après l'enlèvement de l'église. Parce que l'église pas gagné ça qui est le sabbat à observer. Ou pas gagné sabbat, y a un sabbat physique à observer. Alors, nous pouvons regarder en texte, c'est Psaume 147.
Somme 147 pour montrer que loi bon Dieu ba yo pas de jambe pour les nations. Hein, c'est Jésus-Christ vient ba nous loi et c'est Jésus-Christ pour nous suivre. Somme 147 le verset 19-20. Mais ça le dit. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Ici la loi ordonnance remplace les commandements. Hein? Loi liyo, ordonnance liyo, li révèle yo à un seul peuple, Israël, à un seul homme, Jacob, le père des 12 fils d'Israël. Et c'est seulement yo même qui recevra loi et ordonnance Dieu qui créait toutes choses là. Seulement eux-mêmes. Et à l'époque, il y avait des nations aux alentours. Mais ils étaient ignorants à propos de loi que Dieu établit dans le peuple qui est le peuple Israël. Le verset 20 dit, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Il n'a pas agi même gens pour tout l'autre peuple. Et l'autre peuple, pas contre qui ça, bon Dieu, mandé. Pas contre qui, gens bon Dieu, mandé pour moun marcher devant. Parce qu'ils n'ont pas gagné la loi de Dieu. Alors maintenant, ça que nous devons comprendre, autant que Jésus-Christ n'était pas encore venu sur la terre, toutes les nations étaient ignorantes de la loi de Dieu. Alors, si nous d'accord que autant que Jésus-Christ peut qu'on jamais venu, nous toutes nous pas peuple bon Dieu, nous t'es ignorants. D'accord? Faut nous commencer bien. On nous dit à nous retirer temporairement Nouveau Testament. Ça veut dire Jésus-Christ. On nous retire à partir retour de Jésus, enfin la venue de Jésus-Christ. Nous dit bon Jésus-Christ pour qu'on vienne sur la terre. Maintenant, nous retenons seulement les livres de la loi et des prophètes. Ok? Nous avons seulement les livres de la loi et des prophètes. Maintenant, est-ce que message prophétique, est-ce que message qui est écrit dans le livre loi Moïse là, est-ce qu'il y a un rapport avec les nations? Comme si Dieu acceptait les nations, demandait les nations pour y baptiser, pour y marcher avec elles. Non! Ou abjouin que les nations pral mentionner dans les livres des prophètes et de la loi, c'est pour la fin, après l'enlèvement de l'église. Parce que après l'enlèvement de l'église, Dieu pral faire rentrer tout juif qui dehors pour rentrer à Jérusalem pour le rétablissement du royaume. Et c'est pas là où a venu pour le tourner. Mais en dehors de Jésus-Christ, en dehors du Nouveau Testament, des évangiles, du fondement des apôtres, les nations sont complètement dehors. Ils n'ont pas gagné la vie. L'Ancien Testament, pas bon, rien qui doit pour gagner la vie du tout. Ou pas gagné loi. Ou complètement dehors. Alors, on retire. En retire Jésus-Christ, les évangiles, les apôtres, eh bien, commencez à observer le sabbat pour moi. Où n'est-ce vraiment de qui est-ce qui boit le sabbat? Hein? Retirez Jésus-Christ, retirez les évangiles, et puis observez le sabbat pour moi. Parce que déjà, loi, c'est pour le peuple Israël seulement. Et qui est-ce qui vient faire nous des parts avec salut, avec Dieu Israël là? C'est Jésus-Christ de Nazareth, non? Mais on dit Jésus-Christ de Nazareth pour qu'on vienne. Est-ce qu'on a accès à Israël? On peut mettre votre pied dans le temple? Comme on a observé ça, on peut rentrer dans le temple comme le temple n'a pas existé. On dit que le temple existe encore. Nous retournons dans le passé. Jésus-Christ pour qu'on vienne, le temple existe. On peut mettre votre pied dans le temple en tant que païen? On jusqu'à pas l'avoir? On jusqu'à la caillou? Ça, il peut faire la caillou. Il peut aller pour le souiller. Hein? Et pour
dit yo bon sabbat ou gen sabbat hein qui est-ce qui bon li quand on joine bon on quitte thèse ça on prend deuxième thèse là on dit Jésus-Christ vini maintenant Jésus-Christ vini maintenant dit ou gen sabbat en tant que l'église kounya qu'est-ce qu'il nous reste à faire c'est de découvrir est-ce que Jésus-Christ qui vient bon nous accès à la vie est-ce que Jésus-Christ offre nous ou bien prescrit nous le sabbat comme une loi pour nous observer en tant que l'église voilà ce que ça nous doit découvrir maintenant nous venons comprendre que autant que Jésus-Christ peut convenir ou bien comprendre moi Jésus-Christ peut convenir parce que nous dans le passé là maintenant nous dans le passé nous gagnons de Genèse jusqu'à Malachie nous pour gagner Matthieu à Apocalypse a dit me dit Jésus-Christ peut convenir mais annonce Messie a fait dans les prophètes pour le peuple d'Israël seulement et vous comprenez ça Abdoullah très bien sous les Matthieu 10 verset 5 6 7 parce que Jésus-Christ dit avec apôtre avec disciples n'entrez pas chez les païens n'allez pas vers les samaritains mais allez dans la maison d'Israël vers les brebis perdues pour montrer que on pas gagné sacré la vie on pas gagné sacré la loi autant que Jésus-Christ a dit dans Jean 1er elle est venue chez les siens les saints ne l'ont point reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Parce qu'il faut prendre nouvelle naissance là. On dit parole, ça, on peut prononcer. Quand on jeune avec la vie, quand on jeune avec sabbat pour observer, qui est-ce qui va aller? Quand on passe au jeune, hein? Ou pas quand même mettre pied dans le temple à Jérusalem. Ou pas quand entrer dans le temple parce qu'on pas faire partie d'Israël. Ou pas faire partie des 12 fils de Jacob. Ou pas sortir dans la tribu Benjamin, dans la tribu Ruben, hein? Ou ces nations que Dieu pas choisi. Ou pas faire partie du peuple Dieu choisi. Nous pas faire partie du peuple Dieu choisi, c'est lorsque Jésus-Christ va venir. Comment on fait le sabbat? Et qu'on ne pas l'accuser Jésus-Christ pour dire que c'est Jésus-Christ qui vient le sabbat en tant que l'église. Parce que puisque c'est l'église, on va observer le sabbat. Qu'on ne pas dire que c'est Jésus-Christ qui bat droit pour observer le sabbat. Eh bien, nous prenons, est-ce que Jésus qui bon doit pour observer le sabbat, oui? Parce que si Jésus qui pas bon doit pour observer le sabbat, on dehors complètement. Parce que nous déjà quand on bon des parenthèses, nous prenons ancien et nouveau testament, nous retirons et nouveau testament, ou est-ce que vous pas la vie du tout? Parce que bon Dieu pas qu'on ou pas gagne loi, ou fait mal, ou fait bien, ou périt. Quand on a l'aime prendre ancien testament, on connaît le nouveau testament, maintenant ça veut dire que Jésus qui vient, il mourit, il dit que vient jouer ni. Qu'on a laissé ou vienne accès à la vie. Qu'on a là, si ou vienne observer ça, c'est que c'est moun qui bo accès à la vie, à, qui bo sabbat pour observer. Pas vrai? Eh bien, nous pral observer, nous pral analyser, nous pral consulter la parole pour nous, est-ce qu'elle bo sabbat pour observer? Et déjà, nous pral garder dans Jean 1er pour nous garder un texte, pour nous voir que loi ça, que Dieu te baille là, li baille li, pour yon seul, li te baille li, hein, pour un seul peuple, mais surtout ça que nous besoin c'est que Jésus-Christ ça le porter ban nous. Jésus-Christ il dit c'est Jean 1er le verset 17, il dit car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors la loi que Romains 8 le verset 2 expliquer hein, parce que l'aime d'où la loi peut-être au gars doit pas comprendre pour dire la loi pas exister et ça qu'elle peut préciser plus bien parce que les oreilles elle est pas bien comprendre ni qui pas bien entendre. Alors ici lorsque le texte a dit la loi a été donnée par Moïse, quelle loi qui a été donnée par Moïse? Maintenant Romains 8 le verset 2 dit en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, le verset 2. Alors, loi qui a passé, la loi du péché et de la mort. C'est Moïse qui était baillé. Mais loi que l'Église vient gagner maintenant pour l'observer, hein, l'irrelé la loi de l'esprit de vie. Romains 8, verset 2.
l'irélé la loi de l'esprit de vie, loi que nous avons observée. Selon Romains 8, verset 2, il y aurait encore la loi parfaite. La loi parfaite. Jacques 1er, le verset 25. Il y aurait ensuite la loi de Jésus-Christ. Hein? La loi de Jésus-Christ. Selon Galates 6, le verset 2. Par contre, vous avez écrit ça pour qu'on quelle loi qui a géré là. Et vous apprenez la loi, ça a géré maintenant que bon la vie, ça qui est la loi de l'esprit de vie. Il n'y a pas bon sabbat pour observer. Vous pouvez l'ouvrir tout à l'heure. Hein? La loi de Jésus-Christ, Galates 6, le verset 2. La loi de l'esprit de vie, Romains 8, le verset 2. La loi parfaite, Jacques 1er, 25. La loi de la foi. Hein? La loi de la foi, Jacques 1er, 25. Romains 3, le verset 27. Jacques 1er, verset 25. Romains 3, 27. La loi de la liberté. Hein, il y aurait aussi la loi de la liberté. Jacques 1er, 25. Encore, Jacques 2, le verset 12. Jacques 1er, 25. Jacques 2, 12. Il y aurait la loi de Dieu. Selon Romains 7, le verset 22. La loi de Dieu. Romains 7, 22. Romains 8, verset 7. Romains 7, 22. Romains 8, verset 7. Enfin, il y aurait la loi royale. La loi royale. Selon Jacques 2, le verset 8. Jacques 2, verset 8. La loi royale. Alors, il y a combien de manières, oui, là? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manières. Hein? La loi de Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie, la loi parfaite, la loi de la foi, la loi de la liberté, la loi de Dieu, la loi royale. Et c'est en bas loi ça, chers téléspectateurs, que l'église de Jésus-Christ a vive. C'est loi ça qui a mené nous vers le salut. Et nous parlons, est-ce que loi ça, de ça y aurait le sabbat là-dedans. Déjà, nous pourrons regarder pour nous voir est-ce que Jésus-Christ lui-même a observé le sabbat. Alors, si Jésus-Christ n'a pas observé le sabbat, les apôtres, les disciples n'ont pas observé le sabbat, ça montre que les gens qui ont observé le sabbat sont complètement dehors. Parce que pour qu'on ait sur le sabbat, il faut que Jésus observe. Il faut qu'un apôtre pour l'observer. Il faut que Pierre observe. Si vous n'avez pas observé, alors vous avez même côtoyé, est-ce que c'est sous fondement, oui, ou bien c'est sous fondement Ellen White, là, oui, ou bien William Miller, là. Parce que si c'est sous fondement Ellen White, William Miller, qui est, oui, ou complètement à côté de la plaque. Parce que Ellen White, William Miller, pas qu'à maintenant vers Jésus-Christ. Parce que William Miller, c'était gros franc-maçon 33e degré qu'elle était. Tout comme Charles Russell. Alors, par quoi ils ont même qu'à mener vers Jésus-Christ? C'est impossible. Alors, on besoin d'être sur le fondement des apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Sinon, ça, ou à côté de la plaque. Alors, c'est ça que fait maintenant. L'importance maintenant, chers téléspectateurs, c'est de voir est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que la Bible dit que Jésus-Christ a observé le sabbat. Si la Bible dit Jésus-Christ pas observé le sabbat, eh bien mes imoun qui a cherché cap enfin qui il dit observer la mais pas observer le sabbat, oui, pas oublier. OK? Ça c'est complètement faux. Que soit monde dit observer le sabbat, c'est faux. C'est complètement faux. Parce qu'on pas qu'à faire même un kilomètre de la caillou pour venir au côté. On pas qu'à dépasser un kilomètre. Un monde qui dit observer le sabbat, il fait n'importe 4 5 kilomètres pour y aller dans l'autre place. Soit disant pour y aller observer là. Or, si le sabbat existait toujours, hein, si les sabbat existait toujours, moun sa yo tap lapide nan route côté ou di ou pral observer le sabbat. Yo pa même consacrer le sabbat, mais yo observer le sabbat. Yo pa même comprendre.
Alors maintenant, comme tu dis, nous parlons est-ce que Jésus qui observe le sabbat. Regardez avec moi dans Jean 9. Jean 9, et puis après, nous allons regarder si l'apôtre Paul, l'autre apôtre, est-ce qu'il a observé le sabbat? Il a observé le sabbat aussi. Jean 9, n'a plus à partir de verset 15. Jean 9, 15, 16. Jean 9, verset 15, 16. Il dit, alors, je voulais aussi tout garder le texte avec pour ne pas dire que soit n'a pas menti ou bien on voulait faire passer un bagage qui n'est pas vrai. Alors, regardez et puis notez surtout. Notez-le. Personne pas qu'à confirmer bah que Jésus-Christ a observé le sabbat. Personne pas qu'à confirmer ça bah. Personne pas qu'à confirmer dans la Bible que apôtre Paul ou Pierre ou Jean t'a observé le sabbat. Personne. Et si personne nous pas qu'à prouver ça à travers la Bible, ben je connais pourquoi. Yo soi-disant dit yo a observé le sabbat. Pourquoi yo a bay menti? Pourquoi? Verset 15, Jean 9. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue, à savoir l'homme aveugle. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Le verset 16, sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Parce que si il n'est pas sorti de Dieu, il n'est pas observé le sabbat, c'est clair, c'est un homme pécheur. Mais il y a une question qui perturbait les pharisiens. Il y a une question qui perturbait les juifs. Mais s'il n'est pas sorti de Dieu, mais comment il a fait ce genre de miracle ça? Parce que s'il n'est pas observé le sabbat, c'est que il n'est pas sorti de Dieu, vrai, parce que qu'elle soit. Parce qu'à l'époque, les pharisiens, ce n'est qui dans la loi. Ce sont des défenseurs de la loi de l'époque. Aucun homme n'a su ça, pas qu'à dire les pharisiens, c'était qui t'a observé le sabbat. Qui t'a appliqué la loi Moïse. Là. Et lorsque on dit Jésus-Christ n'a pas observé le sabbat, c'est vrai, il n'a pas observé le vrai. Alors, ça perturbe l'autre monde pour dire, mais on est comme ça, il n'a pas observé le sabbat. Son homme péché qui est lié, mais. Comment lui fait genre de miracle ça yo? Là, nous venons comprendre que Jésus-Christ n'a pas observé le sabbat. Ok. Nous allons prendre Matthieu 12 maintenant. Matthieu 12. Verset 1er, à continuer. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. La fontaine dans verset 1er. Jour sabbat ou pas qu'à dépasser yon chemin de sabbat. Ça veut dire yon kilomètre. De pour dépasser yon kilomètre jour sabbat ou mériter lapider. Et c'est ça que fait l'homme a dit lui observe le sabbat. C'est un jour sabbat il fait des kilomètres. Pour lui dire que ou de observer le sabbat pendant ce temps lui-même. Si le sabbat existe, il mourit déjà sous plateau à longtemps. Parce qu'il fait plus qu'un kilomètre. Il fait plus qu'un chemin de sabbat. Gardez-moi même ça. De la caille, moi, là. Il fait plus qu'un chemin de sabbat. Si je t'ai dit, ma propre sœur, le sabbat, côté mien, là, me lapider. Parce que je viole le sabbat. Mais Jésus-Christ, maintenant, le jour du sabbat, la font bagaille que le sabbat n'a pas permettre. C'est que la passé dans le champ de blé, puis monsieur, même quand ça a cassé, et puis maïa a mangé. Parce qu'il était grand goût.
le jour du sabbat. Bagaille que Jésus-Christ pas doit faire et les disciples pas doit faire. Est-ce qu'il observe le sabbat? Gemoun ki pa chèche excuse pou di non c'était le Seigneur, li te konn comment pou te arranger les choses. Mais non, kebe sa yo. Kebe raisonnement sa yo. Parce que quelqu'un soit autre homme qui fait ça ou Jésus fait à la lapider parce qu'il violait sabbat pour de vrai. Jésus qui violait sabbat, li pas observé. Personne pas ka dit autrement là. On regarde le verset 2 dans Matthieu 12 là. Les pharisiens voyant cela lui dirent: voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus répondit: n'avez-vous pas lu que ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Où est-ce que ça à côté David te présenté? L'elte fait jour sabbat, l'allemand j'ai n'a pas proposition, m'bra li la veo. Pour que tout réponse Jésus-Christ de bay avec pharisien sa yo, yo tout te déjà écrit pour confondre yo d'avance. Et gon bagay ke m'bra l'mouto pour mouto comment, neg yo viole sabbat encore, soit disant que yo di yo observe le sabbat. M'a retourné dans Matthieu 12 là, bien vite. Que bien Matthieu 12, nous parlons de l'autre côté. Ma bonne signal, côté nous parler, un petit moment. Quoi, c'est dans le livre 1, voilà. On va regarder pour nous. Je crois que c'est est-ce que c'est ça? J'ai dit pour Moselle. Alors, c'est un roi dans le livre. Un roi, on dit patience pour moi, s'il vous plaît. Attends un petit moment. Ah, c'est nos besoins. Ouais, tout ça qui que la Bible dit, il était écrit d'avance et que personne monde pas qu'à faire le contraire de ça qui écrit. Alors c'est pas plutôt un roi, mais c'est plutôt dans le livre Samuel là. Petit moment. Est-ce que c'est là? Salon Samuel. Ok, c'est 1 Samuel 21. Excusez-moi si je me fais un petit temps pour avant que je me bolé. C'est juste monter et puis voilà, et puis me chercher là à l'instant. Alors c'est 1 Samuel 21. Nous parlons de qui ça David fait. Ça Jésus qui dit dans Matthieu 12 là, qui bolte fait vrai. Alors, dans 1 Samuel 21, il dit: David se rendit à Nob vers le sacrificateur Akimelech, qui a couru effrayé au devant de lui et lui dit: pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Akimelech: le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Le verset 3, 1 Samuel 21. Donne-moi 5 pains, ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David: je n'ai pas de pain ordinaire. L'un dit pain ordinaire, ça dit pas bon pain que moun ka mange là-dedans n'importe comment. Parce que c'est pain qui sacré que yoye. Alors, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Si du moins, tes gens se sont abstenus des femmes. De femmes.
Alors, c'est surtout pour ça que Levin Souli a fait abstenir des femmes, non? Pour jouer ça, et c'est le jour du sabbat. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti. Et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors, le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Alors, nous campons là. Après, on va continuer lecture ça pour comprendre plus de choses toujours. On va retourner dans Matthieu 12 là. On va retourner dans Matthieu 12 là. Alors, sacrificateur là, assuré que David, avec tout soldat qui avait lieu, pas en femme pendant 3 jours pour avoir accès avec peu de propositions. Alors, on a continué lecture Matthieu 12 là, le verset 3-4, pour nous capables d'expliquer ça que je voulais expliquer là. Verset 3, Matthieu 12. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David, nous ce toi ça David fait, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger. Non plus car ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés au sacrificateur seul. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Alors, comment pour même sacrificateur violer sabbat sans qu'il soit pas coupable? Alors, peut-être que monsieur Kounia c'est sacrificateur là il fait plus qu'un kilomètre, yo yo pas coupable, yo pas violé parce que yo c'est sacrificateur. Hein? Kouna nan la loi vin go pas pour qui? C'est sacrificateur si yo pas l'offrir offrande pour peuple là. So jour sabbat yo pas ka gen problème parce que yo obligé à l'offrir offrande le jour du sabbat. Et je vais te offrir une offrande pour péché peuple là, faut te présenter et un sacrifice à Dieu jour sabbat. Et c'est ça que fait lion, il c'est une loi cérémonielle. Alors, sacrificateur là violé sabbat, il est pas coupable. Parce qu'elle doit présenter sacrifice pour le peuple là le jour du sabbat. Jésus qui viole, il est coupable, il n'est pas de sacrificateur. Et il n'y a pas de aucun lien avec sacrificateur. Et déjà, où connaît sacrificateur, c'est eux qui mettent ensemble pour tuer. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas coupable comme sacrificateur, c'est ton sacrificateur. Non, pas du tout. On ne va pas prendre raisonnement ça. Ça ne va pas coller du tout. Mais elle est coupable parce qu'elle viole le sabbat. Mais ça qu'elle dit dans le verset 6, « Oh, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Ça veut dire quoi? « Je prends plaisir à la miséricorde non au sacrifice. » Jésus-Christ pas honoré genre de sacrifice ça y est encore. Il n'y a pas besoin de gens de sacrifice ça. Mais surtout, regardez, il y a des gens qui livrent la lui-même tout entière. Selon la loi qu'il baille là. Selon le principe qu'il baille. Parce qu'il vient pour accomplir la loi, arranger la loi, former la loi de manière à ce que les hommes capables d'y accès pour appliquer pour sauver. Un dimanche, le sabbat existait toujours. Mais il n'y a pas besoin de sauver. Tu yon pat la toujours, pat ap sauver, non, mais yon pat ap la toujours, et tout ap ta mourir. Hein? Et le verset 8 lui dit, car le fils de l'homme est maître du sabbat. Lorsqu'elle dit le fils de l'homme est maître du sabbat, c'est un mari qui est tout à fait évident. Parce que c'est lui qui avait prescrit le sabbat. Et maintenant, il voulait changer formule là. Il voulait accomplir pour instaurer, pour dit, intégrer loi par li à nouvelle manière pour moun sauver.
Li vle changer Canaan en Jérusalem céleste. Li vle changer la terre promise en la nouvelle terre. Puisque il voulait changer la terre promise en nouvelle terre, nouveaux cieux, eh bien c'est normal pour le restaurer une nouvelle loi qui plus accessible que l'ibaïnon qui est la loi de l'esprit de vie en qui? En Jésus-Christ. Maintenant, il a franchi nous de la loi du péché et de la mort. C'est un bagage qui est évident. Et c'est la raison pour laquelle il a violé sabbat. Et dans le même moment, il finit faire tout le bagage par la pide. Le verset 9, il dit, étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Dans même Matthieu 12 là. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? Personne pas qu'a dit que le jour de sabbat était permis pour faire une guérison. C'était impossible pour pas qu'a foyer le jour du sabbat. Personne pas qu'a dit Jésus qui pas violé la Bible claire, il violé. Et c'est peut-être ça, il demandait est-ce qu'il est permis pour faire une guérison le jour du sabbat. Déjà, disciples entrent dans le champ de blé, pendant que c'était avant, les Jésus qui parlent de la disciple, jamais ils font un bagage comme ça. Mais pendant Jésus, bon, Jésus qui met ça, hein, ils suivent mettre là, renouveler, accompli, restaurer, hein. Eh bien, c'est normal, ils suivent mettre là. Mais là, ils dit c'était afin de pouvoir l'accuser. Pourquoi? Parce que ils connaissent Jésus pour dire oui, il permet pour ils font bagarre les jours du sabbat. Maintenant là, depuis Jésus qui dit oui, ils t'ont accusé. Mais Jésus qui est plus intelligent que eux. Jésus qui pas dit oui, mais la fait ils dit oui. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour la retirer? On connaît le jour du sabbat, si on monte à fond, on va comme ça, on va mourir sous les champs, tout bête là. Pas guérance, hein. C'est fini, hein. On va mourir sous les champs. Hein? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Bon, on entre dans la loi. Est-ce que la loi a dit ça? La loi n'a pas le nom maintenant. Est-ce que la loi a dit ça? Est-ce que la loi a dit, monsieur, qu'on entre dans le champ de blé, jour sabbat? Pour le champ de maïs, est-ce que c'est maïs ou blé, hein? Pour arracher des épis, hein? Juste ça va. Est-ce que la loi dit? La loi pas dit, la loi interdit. Est-ce que la loi dit pour faire guérison? Non, la loi pas dit, la loi interdit. Alors, dit Jésus-Christ fait ça, et observez le sabbat. Hein? Jésus-Christ pas observé pour sabbat. Hein? Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Vous allez mettre ça bas. Hein? Livin, il dit beaucoup, il m'a fait l'autre bagaille pour me sauver les hommes, ça a trop dur. Hein? Kouna pour dire que oui, ouvre le sabbat. Mais si ouvre le sabbat, prends ça bas. Hein? Alors, il étendit et elle devait saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultaient sur les moyens de le faire périr. Comment yon ka vele fè yon nèg qui observe le sabbat péri? Dis, comment Jésus qui ka observe le sabbat pour yon chercher moyen pour yon faire le péri? Parce qu'elle viole le sabbat, li font bagay qui pas bon le judio. Nous mette gade texte ici, yon ti va bon nou. Comment yon ka vele fè le péri? L'observe le sabbat, pas vrai? Parce que même moi pour observer le sabbat koune. Parce que si je prends tes avant, je prends ancien, nouveau testament, je retire le nouveau testament qui est ancien. L'homme est ancien seulement crété, ou pas gagné la vie, ou pas gagné l'homme, ou pas gagné mon Dieu, ou fait bien, ou péri, ou fait mal, ou péri. Ou d'accord avec moi, ou pas gagné mon Dieu en dehors de Jésus-Christ. Bon, je mette Jésus-Christ en place. Quand on vient gagner la vie, pas vrai? Ou gagner accès. Mais est-ce que Jésus-Christ, bon, sabbat pour observer? Hein? Est-ce que quand on y a là, Jésus-Christ, bon, nous exemple côté l'observer le sabbat? Là, nous sommes en train d'étudier ensemble, est-ce que Jésus-Christ observait le sabbat? Et puis ensuite, nous parlons, est-ce que les apôtres, eux, ils avaient observé le sabbat? Quand si nous ne nous avons pas observé le sabbat, eh bien, on a obligé de questionner les gens qui devant là, questionner l'idée de maman, de bon, pourquoi faire observer le sabbat? Jésus-Christ pas observé, les apôtres pas observé.
quand on joue avec. Si nous avons Jésus, nous avons la vie en Jésus-Christ, Jésus qui n'a pas de sabbat. Côté sabbat, ça sorti. Pour observer le sabbat, il faut retirer Jésus net, oui. Retirer les apôtres, retirer les évangiles, retirer le fondement, retirer ce nouveau testament net. Et puis qu'on remet observer le sabbat libre. Et même l'observer libre, ou pas gagner la vie ou à périr, parce qu'il n'est pas pour vous. Somme 57, le verset 19, 20. Hein? Même là, nous retirer Jésus, retirer les évangiles, retirer tout, et puis nous quitter les apôtres, les prophètes et livres, les livres de la loi, après ça dit livre Moïse, ou périr. Sont épuisés, sont épinés, parce que c'est Jésus qui vient nous rendre nous pire. Est-ce que ouais? Qu'est-ce que quand on passe au coincé? Et ça qui m'a aimé, est-ce que quelques monde qui comptent à relé surtout pour certifier par la parole, parce que nous connaissons plein de monde qui toujours regarde la télévision, hein, qui toujours surtout des gens qui toujours en contresens par rapport avec sujet ça sur le sabbat, est-ce que nous observe sabbat ou pas, relé poser question, prend texte et puis qu'on a pour nous détailler ça en long et en large, pas de problème. Et nous surtout toujours partant j'en des sujets ça sont monde compte pour nous présenter avec selon avec toute sagesse pour nous discuter bible en main et puis qu'on a pour tout le monde nous côté vérité parce que monde besoin sauver. Parce que si c'est nos œuvres de la loi que nous étions, comme le dit dans Galate, eh bien, nous sommes tous déchus de la grâce. Et finalement, nous pas gagné la vie, nous tous péris. Nous péris. Alors, on a continué et lit texte ça dans Matthieu 12, le verset 14. Les pharisiens sortis et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Tenez bien, en dans synagogue là, Jésus-Christ font guérison, le jour du sabbat qui pas permis. Et même dans une synagogue ça, il a levé pour faire Jésus mourir. Bon, si mal observé ça, bah, ça m'a bon, pas qu'on peut le faire périr, c'est même collègue là nous. Hein? Je dis, oiseaux même pris le plume, ils volent ensemble, non? Ça veut dire que Jésus-Christ, il n'est pas même année que Jésus-Christ c'est mouton, mais toutes ces boucs. Hein? C'est un mouton, nan mitan yon agneau plutôt, on dit ma agneau, hein, son agneau nan mitan paquet bouc. Alors voilà pourquoi bouc yon vle bal coup de con. Parce que principe agneau a pas adapté avec principe bouc yon. Hein? Parce qu'on pas qu'à dire Jésus qui t'a l'observé de sabbat, parce que pourquoi yon besoin de faire mourir? C'est sabbat, il vient observer, non? Il vient observer le sabbat. Tout comme nous-mêmes, on va observer le sabbat maintenant. Et parce qu'on joue, on va observer le sabbat, oui, on observe le sabbat, oui, on observe le sabbat, c'est ça Dieu dit, oui, c'est le commandement, oui, c'est le commandement. On compte qui commandement Jésus qui boit pour observer? Eh bien, retirer Jésus qui va résoudre 10 commandements, à observer 10 commandements, pour moi, quand on va passer pour sauver. Hein? Retirer Jésus qui boit, tirer les évangiles, retirer le fondement des apôtres, à observer 10 commandements, moi, quand on va passer pour sauver. Pour moi, quand on va bien la vie, qui est-ce qui boit la vie? Qu'on a su ou pas la vie, qu'on a retourné à Jésus-Christ. Retourné au fondement des apôtres. Et puis, venez appliquer l'évangile Jean qui est écrit sous fondement. Avec principe Ellen White, William Miller Noir, jeter ça dans la poubelle. Parce que William Miller, Ellen White, pas qu'à bord la vie. Et ça, c'est une anecdote, c'est un franc-maçon, mais faux prophète, annonce un paquet de messages complètement faux. Et instaurer date Jésus-Christ a béni plusieurs fois, ça n'a pas jamais arrivé. So, est-ce qu'on moun kon sa ka bon la vie? Non, pas du tout. Ça pas ka bon la vie. Alors, le verset 15, il dit, mais Jésus l'ayant su et s'éloigna de ce lieu, une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Hein? Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Alors là, je suis tout là où est nation, écrit au pluriel, ça veut dire les nations. Jésus-Christ pas observé le sabbat. Pas observé le sabbat. Et chaque l'entrée dans la synagogue, ils mettaient dehors en bas bâton. Pour nous comprendre que Jésus-Christ n'a pas observé le sabbat. Nous avons fait coup de coude pour nous capables de détailler la majorité des choses. Maintenant, ça nous va faire nous regarder pour les apôtres.
Nous pas regarder pour apôtre, est-ce que yo observé le sabbat? Premièrement, on a fait vite. N'a pas entré dans acte 2. Acte 2, n'a pas regardé pour nous l'église débuter. Est-ce que yo t'ai observé yon soi-disant septième jour? Et n'a pas regardé surtout après le baptême, hein, d'apôtre Pierre. 2880 personnes environ le jour de la Pentecôte, hein, ont été baptisées au nom de Jésus-Christ, hein, pour le pardon de leurs péchés. Est-ce que ces 2880 personnes environ, en ajoutant le 120 personnes environ, ce qui fera une somme de 3000 âmes environ, est-ce que ces 3000 âmes observaient le sabbat? Et comment ces gens ont commencé? Déjà, on peut voir dans acte 2, le verset 41, regardez, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Environ 3000 âmes. Ok. Ça veut dire l'église a campé. Ok. L'église campé maintenant. 42. Le verset 42, acte 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ok. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Alors là, nous venons de deux peuples. Le peuple judaïque, ça veut dire qu'il est attaché avec le roi Moïse là. Et le peuple qui vient christianiser, ça veut dire qu'il vient faire partie de Jésus-Christ. Qui instaurait, c'est-à-dire qui mettait debout l'église de Jésus-Christ. C'est deux peuples ça qui gagnent. Chaque bon message. Et yon pas, comme on a dit, l'autre peuple là qui est attaché à Moïse n'a pas accepté avec le peuple qui est attaché à Jésus-Christ. Alors, le dit dans le verset 45, acte 2, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils sont partagés le produit entre tous selon le besoin de chacun. Le verset 46, comme yon peut dit nous, selon verset 42, comme yon dit dans le verset 42, ils ont persévéré dans l'enseignement fait des apôtres, communion fraternelle, fraction du pain. Ils ont pas dit nous qui joue, qui le. Et ils ont supposé qu'on joue, ils ont été confèl. Ils ont supposé qu'on le, ils ont été confèl. Parce que tout le monde, qu'on bagaille personnel là qu'il a fait, ils ont deux qu'on le de rencontre. 3000 âmes environ pas qu'après rencontrer puis ils ont pas qu'on le et ils ont joué qu'ils ont rencontré. Alors nous parlons, est-ce que c'est joué ça bas? Le verset 46. Qui le, qui joue, ils ont été qu'on rencontré. Excusez-moi, qui joue, ils ont été qu'on rencontré. Là, est-ce que c'est le septième jour? Le verset 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Les 3000 âmes environ étaient chaque jour assidus au temple. Lorsque je dis assidus, je dis assidus, c'est un mot qui définit. Hein, yon moun ou bien yon groupe de personnes qui chita très concentré, très focalisé sur yon bagay, sur yon projet, sur yon idée. Hein? Très concentré, régulièrement. Parce que le texte a dit chaque jour, a dit régulièrement yon était là à, et sous projet, hein, sous idée. Hein, sous création que vous pouvez faire, hein, il aurait été assidu là-dedans. Et ça que après les apôtres, il était obligé rempli d'esprit, il était obligé cap chasser des démons, il était obligé très puissant. Pourquoi? Parce qu'il était toujours demeuré dans la parole. Chaque jour, il est assidu. C'est pas qu'on a les mounes qui ont le temps, les mounes qui ont le temps, mon Dieu, il n'y a pas de temps pour mon Dieu du tout. Hein? C'est pas qu'on a, hein? Ça ne veut dire pas de contrat. Il y a de contrat, il n'y a pas de contrat. Paul Axila, c'était faisait de temps qu'il était. C'est de contrat. Hein? Mais qu'on a mounes qui ont le monde, ou bien les choses du monde plus importantes que la présence de mon Dieu, ou bien que les pour réunir. Alors là, déjà, quand on voyait un bagage, c'est que c'est chaque jour qu'il était réuni. 3000 âmes, ça y est.
Et nous ne pouvons pas dire que 3000 âmes sont mélangées avec le judaïsme. Non du tout, ils ne sont pas mélangés. Ils sont plantés grands. Ils sont plantés très grands. Ils ont groupé au nom parti dans le top plan. Parce que 3000 âmes assidues, on ne peut pas dire que 3000 âmes assidues, c'est dans le temps le judaïsme. Comme on sait, chaque jour réuni. Hein? Pas dans le judaïsme, parce que les judaïsmes ne sont pas d'accord avec eux. Sinon, ils ne sont pas écrasés pour le babaton, les lentes dans le top plan. Pas du tout. Alors, assidus dans au temple, ça y a fait. Ils ont paix le paix dans les maisons. Pourquoi? Parce que quantité de personnes, 3000 âmes environ pour romper l'an, eh bien, ça va le pousser, monsieur, à violer ça, l'évangile dit. L'évangile dit une couple, un pain. Sous 3000 personnes réunies, au but de faire 50 000 petits couples, elle dit. En conclusion, on vient dehors de la parole. On pas appliquer la parole. Parce que pour faire 50 000 coupes, c'est manger des mots. Ce n'est pas ça que Christ dit. Parce que Christ dit une couple. Alors voilà pourquoi il y a chaque jour dans le temple. Mais lorsqu'ils ont paix le pain, c'est dans les maisons. Il y aurait dit dans la maison, puis rempli le temple, rempli le pain là, en attendant que le temple détruit complètement pour entrer dans la maison. Yo. Ben, il laisse ça, il ne peut pas le reconstruire encore. Et prenez leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça veut dire que là, je ne peux pas le